Salut à tous, bon là je suis motivé, hein. Juste après avoir vous avoir quitté la dernière vidéo, j'ai essayé de faire ça, et merde, et j'ai réussi au bout du 4 ou 5ème coup je crois, enfin peut-être plus en fait, j'ai mal compté, je sais pas, mais c'était pas très long. Alors le truc c'est que vu qu'on descend en bas automatiquement avec le courant, il faut juste faire droit droit droite, gauche gauche gauche, mais très vite, hein. Et pas trop s'éloigner. Non, merde. On va voir, c'est faisable, hein, c'est faisable. Voilà. Et bon, on peut aller par là, mais il vaut mieux passer par l'autre côté en fait. Chier. Non. Là, je passe par là, mais c'est con en fait. Il vaut mieux passer par l'autre côté vu que le courant nous entraîne. En vrai, c'était pas si dur, hein, vous avez vu. C'est juste que ça me rappelle des mauvais souvenirs, parce que quand j'étais petit, j'avais eu du mal, mais un truc de taré, j'avais passé une demi-heure, j'avais pété 4 Game Boy, non quand même pas, mais... Ah, j'avais maudit Poséidon sur 15 générations, hein. Ce qui sert à rien, parce qu'il est immortel, il y a qu'une génération. Mais... bon. Alors, alors, ben rien. Ça nous fait une ardoise de plus, hein. Et après, on va faire le truc du wagon, ça nous fera la 4ème ardoise. En fait, ce donjon n'est pas dur, mais il est super. Enfin, il est génial, je l'adore ce donjon. Il y a tous les types d'énigmes. Les trucs ardoises, je l'adore. Enfin, c'est fun, quoi. C'est pas un truc chiant comme le 7ème, quoi. Bon, par contre, maintenant, faut retrouver l'endroit du wagon. Et je sais plus où c'était. Et donc, j'ai plus qu'à chercher. Bon, j'aurais dû faire le wagon là-bas. Là, ouais, il y a l'ardoise. Je claque. Où est-il? Ah oui, c'est par là. C'est par là, le wagon. Et d'ailleurs, le boss est magnifique. Pas magnifique graphiquement. Magnifique. Magnifique, comment dire... pas graphiquement, mais magnifique quand même. Enfin, magnifique à battre, quoi. Il est en 4... 3 ou 4 phases, je sais plus. Attendez, il y a la phase, ouais. 4 phases. Alors là, énigme classique, je vous l'ai dit, il y a tous les types d'énigmes, hein. Enfin, moi, j'appelle tout des énigmes, hein, mais c'est pas une énigme, ça. C'est juste une salle à passer. Ce que j'appelle énigme, c'est tous les trucs, quoi. Enfin, vous avez compris, il n'y a pas de mots pour dire. Je dis énigme. Ouais, allez, plus de deux, clac, tac, on peut aussi les casser à l'épée. Et hop, merde, ils m'ont surpris là. Hop. T'as vu ça? Le roi de l'esquive, c'est qui? Merde. Danixisme. Oula, alors ça, ça va être chaud. Il va falloir faire vite là pour le nez. Ok. Tiens, merde. Putain, ça glisse, c'est trop chaud. Salopard. Et là, hop, la dernière tablette, ardoise. Bon, c'est pareil. Hein. Clac, on se retape la salle. Ah non, même pas. Et par contre, comment on revient dans... ouais. On revient comment, là? On doit tous se retaper, ou... je suppose qu'il faut, ouais. Ah bah oui, je suis con. Non, bah c'est bon, les 4 ardoises. Voilà, ça c'est le genre de donjon que j'adore. Qu'on ne voit plus dans les donjons. Bah les Zelda de maintenant, bon ils sont bien, mais ils sont ultra simples, les énigmes sont banales, enfin je pars surtout de celui sur DS là. Phantom Hourglass, de Saint Bruce. Je sais pas. Je vais pas dire de gros mots. Mais celui-là il est génial quoi ce donjon quoi.
Oui, j'ai pas aimé celui sur Death parce que... Comment dire... Sous les énigmes, c'est juste utiliser le skillet, faire des trucs sur l'écran. Enfin, donc du coup, c'est trop simple. Quoi. Donc alors là, vous allez voir comment on fait. Hein. C'est hyper simple. Et c'est fun, quoi. Il nous a remis plusieurs objets à utiliser, là. Voilà, 1, 2... Voilà, bon, alors n'oubliez pas. Non! Viens là, toi. On va des bombes, des graines parfum. Alors pourquoi on nous donne ça? Ben, comme je vous l'ai dit, cet ennemi en 4 phases ou 3, je sais plus. Enfin, je croyais toutes les phases, mais j'ai pas la peine de compter. Voilà, c'est une espèce de robot. Bon. En plusieurs phases. Allez hop, première phase. Nous avons assez de points, faut le renvoyer. Avec la pluie. Donc il est pas dur à battre, il est très simple à battre quand on sait comment faire, hein. Comme la plupart des boss d'ailleurs. Faut juste savoir comment faire. Bon, il peut être long par contre. Putain, mais il me blesse ce salaud. Je me mets trop près. En fait, il vaut mieux faire avec la droite et la gauche. Hein. Faut juste le renvoyer dessus, quoi. Comme ça, je suis sûr de le toucher. Même si je me fais un peu niquer la gueule. Voilà. Première phase finie. Alors, la deuxième phase, bombe. Voilà. Bon, par contre, faut se foutre au-dessus de lui, sinon ça marche pas. Vous voyez, sinon on peut pas l'atteindre. Voilà comment on fait. Merde, faut bien viser quoi. Oups. C'est pour ça qu'il y a des fleurs, hein, qui... c'est parce qu'il faut utiliser les bombes. Vous voyez, c'est assez fun les combats en plusieurs phases. Troisième phase, ouais, il y en avait même 4. Alors en fait, je vous montre, si on l'attaque de face, voilà. Donc il faut faire comme ça. Oh putain, le con. Enfin, je fais que de la merde. Voilà, et la dernière, bien sûr utiliser l'objet du donjon. Plus, je dirais, ça c'est pas obligé, hein, les grains de Pégase c'est super fun. Vous allez voir en fait, faut utiliser un mécanisme. Bon, quand il fait ça, c'est de la merde, faut juste, faut esquiver. Voilà, quand il prend un truc, faut le prendre le deuxième. Et le relâcher pour qu'il se le prenne. Merde. Le con. Vous voyez, ça c'est la phase la plus dure, on va dire. Quoique. Je joue mal, hein. Merde. Non, je vais pas crever là. Hein. Pas moyen là. Ça sera trop con hein, au point où j'en suis. Je lui prends trop tard, mais j'arrive pas, j'appuie ça. Je vais pas assez au bon endroit en fait. Voilà. Oula, ça va être serré. Bon, il est pas si simple que ça, mais c'est un peu moi qui joue comme une pune aussi. Bon, là par exemple, c'est foutu, vaut mieux pas essayer. Voilà. Bon, j'ai mal joué, hein, j'avoue. Je vous l'avoue. Donc voilà, là, j'aurais pu avoir un quart de plus avec les quarts de cœur. Il me manque 6 quarts de cœur, en fait.
Eh ben on touche à la fin, dis donc. Alors par contre, Véran, c'est pas une partie de plaisir. Hein. Ça n'a rien à voir avec l'autre merde de Onox. Hein. Donc Onox n'est pas si simple que ça la première fois. Le jeu n'est, les deux jeux ne sont pas si simples que ça la première fois. Enfin bon, moi j'étais petit, mais même. Surtout quand c'est notre premier Zelda. Quoi. Bon bah alors là, je vais devoir... Non, pas vous laisser, non. Je vais devoir... Ça fait à peu près un peu plus de 10 minutes, là. Je vais devoir prendre l'anneau bleu. Alors par contre, je sais plus où il est. Je sais que c'est un de ces trucs, il y a un coffre dessous. Donc voilà, hein. De toute façon, c'est un réflexe de soulever ça, donc l'anneau bleu, c'est un peu... Ah voilà. Eh ben voilà. C'était l'anneau bleu. Vous avez vu, c'est un peu con. Ridicule comparé à la quête des monstres. Que j'ai bien aimé d'ailleurs. Donc les deux Zelda ont leur avantage, hein, mais moi je préfère toujours Rayleigh, de toute façon. C'est pas parce que le bouclier niveau 2 et l'anneau bleu sont trop simples à récupérer que ça change grand chose. Ça change pas le fait que l'ambiance et l'histoire de Aegis sont beaucoup mieux. Clac. Donc vous voyez tous les endroits que j'ai pas explorés. Ah bah quand j'étais petit, mais je vous ai dit, des mois, même après avoir fini le jeu, là, je continuais mes parties finies, je parlais à tout le monde, j'essayais d'avoir plein de quarts de cœur, j'ai creusé le jeu à 100%, il est bien complet. Hein. D'ailleurs, par exemple, quelques trucs sympas, en creusant comme ça, des fois on tombe sur des trucs, des énormes rubis bleus de 500 rubis. 500 rubis. Hein. Alors là, on peut y passer qu'en mode... que si on a la GBA. Car Alex m'a passé des ROM spécial GBA, mais je les ai pas utilisés. Parce qu'en fait, elle modifie les couleurs, ça éclaircit les couleurs, donc c'est pas très beau. Mais je les utiliserai pour récupérer les anneaux et pour ensuite pour vous passer le truc. Je vais même pas essayer si ça marchait. Enfin, pour vous montrer vos anneaux. Qu'est-ce que je voulais? Ouais, voilà. Hop. Donc on va se téléporter. Hein. Enfin, se téléporter, changer l'époque. Vous voyez, les gens bougent et tout. Et on va évaluer nos anneaux. En particulier le dernier, qui est l'anneau bleu. Voilà, tous les dégâts qu'on se prend sont divisés par deux. Donc le must, hein. C'est pas dire. Oui, ça c'est super comme ça. De toute façon, je vous montrerai l'effet de tous les anneaux. Hein. Donc il y a ça qu'il faut que je vous montre. Tous les habitants de Lina et de machin, de Holodrum qui donnent les secrets en mode Link, qu'il faut que je vous montre aussi. Tous les quarts de cœur. Et après, bah voilà. Une fois que j'aurai montré tout ça, plus le mode Link avec Ganon et tout, voilà, j'aurai complètement fini les deux jeux. Ouais, je compte bien tout vous montrer quand même. Voilà. Vous vous rappelez, j'étais déjà venu là, mais j'avais pas assez d'argent. Parce qu'il fallait 300 rubis. Maintenant, on a les 300 rubis. Donc, boîte à anneaux niveau 2. Graine gacha. Et. Quart de cœur. Donc, quart de cœur, ça sert à rien, vu que les 3 autres, je les prendrai pas. Ça j'en ai rien à foutre. Donc boîte à anneaux niveau 2 je vais prendre. Voilà. La niveau 3 on l'a grâce à un code en mode Link. Ainsi que l'épée niveau 3, le bouclier niveau 3, les bombes souris, y a quoi aussi? Les 99 graines, les 50 bombes. Y a quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre en mode Link? Ouais c'est tout. Ouais. Après on a des trucs spéciaux, je sais plus quoi, des anneaux, des trucs comme ça. Donc là on retourne dans le présent, on va prendre l'anneau bleu, j'ai oublié de le prendre comme un con. Donc Véran déjà, je vais avoir du mal. Alors qu'en plus j'ai l'anneau bleu, l'épée niveau 2, et que je vais prendre une potion bien entendu. Même si j'ai pas de fric,
c'est pas grave. Voilà. Alors ça, je m'en fous maintenant. Un bleu, voilà. Et pas un autre truc sympa, je sais pas moi, un autre point, ça c'est de la connerie, ça ça sert à rien. Ça c'est sympa, mais bon, sans plus, ça c'est marrant, je vais le prendre pas. Oh putain, j'ai rien. J'ai aucun anneau quoi. C'est nul. Oh la merde. J'aime pas l'anneau joie machin là, pour les rubis. Ah bah j'ai vraiment pris aucun anneau là. C'est la dèche. Alors je voulais vous montrer un Olay Clay, je sais pas si je vous l'avais montré. Peut-être dans Season, je sais plus. Voilà. Bon bien sûr il est vert, hein, vu que c'est... Ah bah putain, t'as fait du bon boulot, tu l'as super bien gardé, ouais. Et hop, la graine Bojo. Comme dans Seasons. Ah mais celle-là elle est grosse quoi. Parce qu'en fait, il est là, sorcière, parce qu'il n'y en a qu'une en fait. Vous verrez pendant le combat contre elle en mode Link. D'abord, on les bat. J'adore le flanc d'un coup, tu sais. Oh merde, on peut pas passer, c'est pas drôle. Alors, par contre, alors quand on est en animaux, en monstre comme ça, on ne peut rien faire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler aux gens, on ne peut pas utiliser d'objets. Et même quand on est en Octorok, par exemple, on peut pas lancer les petites boules là. Oh putain, elle va vouloir se venger, elle, je la connais. T'inquiète pas, je t'attends au tournant, toi tu vas voir. Allez vite, j'ai pas le temps. Putain, viens ici. Oh, y'a Senpai du fric. Oh putain, y'a pas... Ouais, y'a pas grand chose. Hein. Ah bah décidément, la pauvre. Elle a rien. Allez. C'est ça, moi aussi. Bon, bah on va se quitter ici, je vais aller acheter une potion, et surtout, creuser pour avoir du fric, pour avoir la potion. Putain, si seulement on pouvait faire ça en vrai. Vous imaginez, vous creusez dans la terre, comme ça vous trouvez plein de rubis. Ça serait énorme. Bon, voilà. Donc on va se quitter ici. Putain, c'est grand quand même. Allez, salut!